C'est toujours un plaisir de vous retrouver, toujours au Quai des Savoirs de Toulouse, pour cette 12e édition de Futurapolis Planète. Je rappelle encore que vous pourrez poser vos questions en vous rendant sur menti.com, en entrant le code 5602-3504 ou en flashant le QR code. Alors c'est un autre sujet d'importance dont on s'empare à présent, les dernières frontières du nucléaire. On sait qu'il suscite beaucoup de discussions et de controverses. On sait aussi que le gouvernement français mise sur la contribution de cette énergie décarbonée au mix énergétique pour assurer les besoins des habitants et de l'industrie. Mais la filière, après peut-être avoir été négligée, peut-elle repartir pied au plancher avec des ambitions particulièrement élevées sur les réacteurs de nouvelle génération? Comment réindustrialiser alors qu'on manque cruellement d'ingénieurs? Autant de questions qu'on aborde tout de suite avec nos deux invités, Sylvain Vidal et Bertrand Raquet. Romain Gonzalez sera le co-modérateur avec moi. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Sylvain Vidal, bonsoir. Vous êtes délégué régional Occitanie chez EDF. Bonsoir. Bertrand Raquet, vous êtes directeur de l'INSA Toulouse. Bonsoir. Qui est une école d'ingénieurs, vous allez tout nous dire. Et Romain Gonzalez est avec nous aussi. Bonsoir. Merci. Alors, le nucléaire, c'est évidemment toujours un des sujets dont on, enfin, c'est un sujet dont on parle régulièrement, qui prend de plus en plus d'importance. Est-ce que, Sylvain Vidal, la reconstitution de notre filière industrielle du nucléaire est en bonne voie? Je l'ai dit, il y a eu un petit passage à vide, les politiques se sont envoyés la patate chaude, il y a eu une époque politique qui était un petit peu complexe avec une contestation du nucléaire. On a l'impression qu'on est reparti dans une autre dimension, une autre ambition. Est-ce que ça va marcher? Alors, je pense que vous avez raison de dire qu'on est à un moment clé en ce moment, et je crois que ce qu'on peut vraiment dire, c'est que le nucléaire s'écrit au futur. Et quand je dis ça, c'est pas à titre personnel, même au titre d'EDF, ou cette conviction-là, on a depuis un moment. Mais le constat qu'on fait, c'est que c'est vraiment une tendance de fond qu'on constate en France, en Europe et dans le monde. Je pense qu'on est en effet en train de sortir du débat pour ou contre le nucléaire, pour aller sur le débat de quelles sont les solutions pour faire face au réchauffement climatique. Et parmi ces solutions, c'est évidemment... ce qu'il faut résoudre comme question, c'est comment on sort des énergies fossiles. Et évidemment, l'électricité décarbonée est une solution. Et notre conviction, c'est qu'elle repose sur un mix entre des énergies renouvelables et du nucléaire. Et quand je dis une tendance de fond, vous l'avez évoqué, bon, il y a évidemment des choix politiques forts qui ont été faits, avec en particulier le discours du président de la République en février 2022 à Belfort. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, le rappelait dans la même configuration. Sur ce plateau hier, ici. Hier. Et ça, c'est la première composante qu'on voit aussi dans d'autres pays, hein, sur lesquels il y a un certain nombre de pays qui se positionnent sur l'énergie nucléaire. Mais ce qui me paraît aussi important, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience sociétale importante. Nous, on regarde attentivement quel est le regard que porte la société sur le nucléaire. Et le constat qu'on fait, c'est que plus d'un Français sur deux aujourd'hui fait confiance au nucléaire, pense que... Non, mais ça a beaucoup bougé, Sylvain. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a encore 2-3 ans, on disait, bon, on fait profil bas, le nucléaire est très contesté, il y a des peurs, raisonnées ou irraisonnées. Là, vous sentez que ça change. Vous pouvez sortir en levant la tête dans la rue, je suis chez EDF. Ouais. Alors qu'à l'époque... Je levais déjà la tête avant, mais je pense qu'en effet, là, il y a une prise de conscience qui est forte en France. Il y a eu quand même un accélérateur, malgré tout, pardon, mais avec la crise ukrainienne, et le fait qu'on se rende compte de la souveraineté et on se dit mais attendez, on dépend des autres, on est dans le gaz, peut-être que là les Français ont fait une bascule en se disant... Oui, je pense que la crise qu'on a vécue en 2022 avec des impacts sur la perte de souveraineté, la question des prix de l'énergie, il y a en effet une prise de conscience collective de l'enjeu de décarbonation, mais aussi de souveraineté énergétique, de souveraineté industrielle. Et je le rappelle, le choix énergétique du nucléaire qui avait été fait dans les années 70, qui avait été fait pour des raisons économiques principalement liées à la crise pétrolière, s'est révélé ensuite un bon choix pour des raisons climatiques.
Voilà. Et donc, en effet, on est dans des conditions qui sont favorables, et je pense important, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, sur le fait qu'OK, il y a des choix politiques, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est sociétale. Et en effet, alors nous, on pense vraiment qu'on va y arriver, je vais essayer de dire pourquoi, comment, mais on est en face d'un défi industriel important dans lequel la France a toutes ses chances pour la France elle-même et pour le monde globalement. Alors, pour y arriver, en revanche, on a besoin d'ingénieurs. Enfin, c'est pas en revanche, c'est on a besoin d'ingénieurs. Alors, monsieur Raquet, rappelez peut-être rapidement ce que c'est que l'INSA. Donc, l'INSA, école d'ingénieurs, donc l'INSA Toulouse aussi, qui appartient au groupe INSA, qui a 7 écoles d'ingénieurs, donc INSA en France. Le groupe INSA, c'est la première formation d'ingénieurs en France, à peu près 10% des diplômés, donc c'est massif. Et puis à l'INSA Toulouse, c'est 3300 étudiants. Au quotidien. Alors tout le monde parle de réindustrialisation, la France manque d'ingénieurs, on le dit. Comment est-ce qu'on se met en ordre de marche pour combler notre retard? Peut-être quelques chiffres, il y a combien de nouveaux ingénieurs chaque année et qu'est-ce qui manque, quoi? Non, je pense que c'est vraiment important de fixer un peu les ordres de grandeur. Sylvain Vidal nous dira probablement les besoins, donc, notamment dans la filière nucléaire. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'aujourd'hui, on forme à peu près 40 000 ingénieurs par an en France. Et toutes filières confondues, quand on discute avec nos partenaires industriels, quand on discute avec les ministères, on voit bien qu'il en manque au moins 10 000, pour donner un ordre de grandeur. Autrement dit, ce serait du 25% en plus. Alors c'est un mur hein, qui est face à nous. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, former 10 000 ingénieurs de plus par an, pour former un ingénieur, il faut 5 ans. C'est en gros entre 12 et... Comment ? Ça semble pas insurmontable. Avec quelques moyens, on peut le faire, parce qu'on a vraiment l'expertise. Mais donc, j'en viens, entre 12 et 15 kilos euros par an, la formation d'un ingénieur, vous faites un petit peu le calcul, c'est à peu près, on va dire, 600 millions d'euros. Si vraiment on voulait donner ce coup d'accélérateur et mettre le nombre d'ingénieurs sur le marché pour satisfaire effectivement les besoins de réindustrialisation. Donc c'est quand même gigantesque. Mais si on regarde en relatif, ben c'est finalement 3% du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et quand on voit la grande qualité de ce qu'on forme en termes d'ingénieurs qui aujourd'hui sont reconnus à l'international et ont de véritables forces de frappe, ben là on a un vrai enjeu d'investissement. Romain. Sur 40 000 ingénieurs, vous formez combien de femmes à peu près, vous le savez? Vous avez ce genre de chiffre de représentativité? On doit être à peu près autour de entre 20 000 et 25 000, c'est-à-dire on doit être autour de 30%, quelque chose comme ça. Alors sur cette problématique, vous avez un bon mot, Sylvain Vidal, c'est que finalement, sur ces formations d'ingénieurs et la cible des femmes, on se prive de la meilleure moitié de la population. Oui, c'est ma fille qui dit ça surtout. Mais je partage. Oui, elle n'a pas tort, parce qu'effectivement... Donc on a un double problème. Déjà, il faut attirer des... Enfin, ouais. On est en déficit d'ingénieurs, et en plus, on est en déficit de femmes ingénieurs. Oui, alors on est en déficit globalement de femmes sur l'ensemble des métiers dans le secteur industriel, si on regarde. Par rapport aux chiffres qu'a donné Bertrand Raquet, pour la relance de la filière nucléaire, les besoins qu'on estime en termes de recrutement, c'est 100 000 recrutements à faire sur 10 ans, sur une filière qui fait environ 220 000 salariés. Donc on voit l'ordre de grandeur, ça veut dire que ça fait... Sur ces 100 000, c'est combien d'ingénieurs? C'est à peu près 30%. Ça veut dire que si on est sur 10 000 par an, c'est environ 30-40%, 3 000 ou 4 000 ingénieurs à comparer aux 40 000 qui sortent par an. Donc on voit que c'est important et le besoin de voir le nombre d'ingénieurs formés est beaucoup plus important et fort. Et c'est vrai que c'est des métiers... Alors nous, ce qui est important pour nous, c'est de voir qu'on part aussi sur une croisière au long cours. C'est-à-dire que l'action qu'on veut avoir, c'est évidemment nouer des partenariats avec les écoles d'ingénieurs pour qu'elles forment plus de personnes et qu'on les attire sur les métiers de demain. Mais on s'intéresse aussi beaucoup aux plus jeunes, parce que les ingénieurs dont on aura besoin dans 10 ans, ils sont aujourd'hui au collège, quoi. Le problème, c'est que personne n'a entendu parler du nucléaire. Est-ce que le nucléaire, c'est sexy par rapport au numérique ? À nous de le rendre sexy. Enfin, aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que les acteurs qui travaillent s'y plaisent, sont engagés, sont motivés. Je pense qu'il y a... Mais il y a aussi pas mal de nouveautés, Sylvain Vidal. Je voulais qu'on en parle. J'ai parlé de réacteurs de nouvelle génération. On parle de PR2, de SMR. Vous allez nous dire, en quelques mots, le futur, il est là. Et en plus, il y a des nouveaux entrants en mode start-up. Donc ça peut attirer les gens qui sont, a priori, intéressés par le numérique. Alors, peut-être reprendre. Vous avez un projet qui s'appelle New World.
Expliquez-nous donc ces nouveaux réacteurs, ces réacteurs modulaires, et puis cette ambition finalement internationale. Qu'est-ce qui se trame là ? C'est en train de bouger le secteur. Oui, le secteur bouge beaucoup. Enfin, j'ai dit en introduction que c'était une tendance globale, y compris sur l'angle industriel. Alors, en effet, en quelques mots, les enjeux qu'on a en France, c'est de construire des nouvelles centrales de taille importante. C'est ce qu'on appelle le projet EPR2, avec trois sites qui ont été déjà choisis en Normandie, dans les Hauts-de-France et puis en région Aura. On a un enjeu, nous, EDF, de prolonger le parc de production nucléaire existant. Donc là, il y a des besoins importants. Et ce qu'on voit émerger, c'est ce qu'on appelle, ce que vous évoquez avec New World, ce qu'on voit émerger, c'est ce qu'on appelle des small modular reactors, ou petits réacteurs modulaires en français, qui ont plutôt une vocation à venir se substituer, par exemple, à des centrales charbon sur des sites industriels, donc plutôt dans le monde. C'est plutôt un... Et là, on voit il y a plusieurs dizaines de projets dans le monde qui sont portés par des grandes entreprises comme EDF, mais qui sont aussi portés avec des ambitions de rupture technologique par des entreprises beaucoup plus petites. Bon, alors, comme toujours dans ce monde-là, bah, certains émergeront, d'autres pas. Mais c'est vrai qu'il y a des ruptures technologiques potentiellement importantes. Mais il y a quand même, on imagine des SpaceX, on imagine des startups, mais il y a quand même un côté aussi de sûreté nucléaire. Vous avez des réglementations, il faut passer par des fourches codines et des choses qui sont assez contraignantes, et on l'entend légitimement. Est-ce que ce genre de structure sera capable de répondre à ces exigences réglementaires ? Oui, je peux. Alors, l'enjeu, en effet, quand on dit modulaire, ça veut dire qu'il faut être capable de faire des produits qui potentiellement sont acceptés par les autorités de sûreté nucléaire de tous les pays, c'est-à-dire d'avoir un effet de série qui émerge. Et après, c'est des produits qui sont plus petits sur lesquels on met en jeu une sûreté passive. Je prends un exemple concret. C'est par exemple des réacteurs qui, en cas d'incident, sont le réacteur est dans l'eau. Voilà. C'est-à-dire qu'on contingente, s'il y avait un pépin, on préfère, j'allais dire, perdre la centrale et que l'incident soit complètement contingenté. Donc on est sur ce qu'on appelle la sûreté passive, qui est évidemment indispensable si on imagine une réplicabilité importante de ce type de réacteur. Alors si on veut attirer les jeunes dans ces start-up, dans ces nouvelles créations de SMR, il faut plus d'ingénieurs, on l'a dit. Vous l'avez dit, le nerf de la guerre, bon, bah, si on faisait juste 3% du budget de l'enseignement supérieur de la recherche, ça veut dire qu'il faut mettre la pression au gouvernement ? Bertrand Raquet. Je pense qu'on le fait. Hein. On le fait au quotidien. Après, il y a aussi des grands programmes nationaux quand même qui se mettent en place à travers France 2030. Il y a aussi des AMI compétences et métiers d'avenir. Donc, on a des dispositifs. Donc, on est vraiment dans une situation où on a une capacité d'avoir de la jouvence, déjà d'équipements scientifiques à disposition des étudiants. Et puis, on peut enclencher aussi des augmentations de taille, de promotion. De là à dire qu'on arrivera à parvenir à cet objectif de 10 000 ingénieurs formés en plus par an, ça va être extrêmement compliqué. Pour autant, on a quand même une responsabilité, là je vais parler un petit peu sur l'INSA Toulouse, de faire en sorte de mieux faire connaître les grands enjeux de l'énergie décarbonée au sein de notre établissement, de mieux faire connaître les enjeux de la filière nucléaire. Il y a un formidable travail qui a été fait aussi au niveau de l'Université des métiers du nucléaire, mais aujourd'hui, il faut décloisonner, il faut le faire connaître sur les campus. Alors, l'Université des métiers du nucléaire, c'est une école propre à EDF ? Non, quand je parlais de 100 000 recrutements dans le nucléaire, c'est la filière, globalement, l'ensemble du nucléaire, qui est portée par le GIFEN, qui représente la filière. Et la décision qui a été prise, c'est de créer l'Université des métiers nucléaires. Alors, ce n'est pas un lieu unique avec une université physique telle qu'on peut l'imaginer, mais le travail qui a été fait, c'est d'identifier les formations nécessaires, celles manquantes, quel est le taux de remplissage de ces formations, de développer par exemple des bourses pour attirer des jeunes dans ces filières-là. Et donc ça, c'est un travail qui est engagé depuis maintenant 2 ans, sur lequel, évidemment, la composante d'attirer les ingénieurs sur les métiers du nucléaire et de nouer des partenariats avec les écoles d'ingénieurs fait partie, je dirais, des pistes d'action de l'Université des métiers du nucléaire. Romain. Monsieur Raquet, peut-être avant. Oui, il y a vraiment deux éléments à rajouter. C'est que dans une école comme la nôtre, on a vraiment un potentiel énorme parce qu'on adresse finalement l'ingénierie au service du nucléaire. Mais par contre, le travail qu'on a à faire, c'est faire connaître
travailler aussi l'attractivité et aussi mettre ça aussi en cohérence avec le fait que nous avons aussi complètement revu notre référentiel de compétences au niveau de l'ingénieur. On a eu un gros travail réalisé entre le groupe INSA et The Shift Project de façon à revoir complètement ce référentiel de compétences. Non, mais et aujourd'hui, on le met en place. C'est important de le souligner quand même. Vous êtes une école d'ingénieur, vous êtes allé voir le Shift Project donc, de M. Jancovici. Oui. Vous aimez souffrir ? Non, mais en tout cas, ça marche bien. Enfin, voilà. Non, parce que les ambitions du Shift Project, c'est intéressant. Ça veut dire que le référentiel, il est bousculé chez vous. Exactement. Et puis, on a aussi comme livre de chevet le plan de transformation de l'économie française. Voilà. Et on a besoin de mettre à la fois le corps enseignant, nos chercheurs et nos étudiants en confrontation directe avec finalement cette trajectoire. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, déjà, c'est que nos maquettes changent. On a bien évidemment des enjeux climat-énergie sur l'ensemble du cursus de l'année 1 à l'année 5 pour l'ensemble des spécialités. Et maintenant, là où on a un boulevard, c'est qu'on voit bien les évolutions, les attentes de la communauté étudiante. On ne va pas le reprendre. C'est tous les jours, au quotidien, on a des exemples là-dessus, même à l'INSA Toulouse. Mais là, on a un boulevard, c'est faire connaître les grands enjeux de l'énergie décarbonée et des besoins du secteur du nucléaire. Aujourd'hui, quand je regarde les chiffres au niveau de notre établissement... Mais vous voyez que ça prend, parce qu'il y a encore 5 ans, on dirait, mais jamais... Mais ça prend complètement. Et moi, je constate, on a moins de 5% de nos diplômés qui vont dans le domaine de la production d'énergie décarbonée. Pourquoi ? Parce qu'on a un secteur Occitanie, on est aspiré par l'aéronautique, le spatial, les nouvelles mobilités, le numérique. Mais là, on voit qu'on a un gros travail de mise en visibilité et c'est facile et je pense qu'on va y arriver. Justement, Monsieur Raquet, vous évoquez cette déperdition entre guillemets dans d'autres secteurs industriels. On forme des ingénieurs, c'est bien, encore faut-il qu'ils aillent travailler dans le nucléaire français. On imagine aussi qu'en en formant beaucoup plus, peut-être que certains vont être tout simplement piqués par nos grands adversaires industriels internationaux. Je ne vous demande pas si vous avez des cours d'éducation civique dans vos écoles d'ingénieurs, mais comment est-ce qu'on peut aussi créer un sentiment entre guillemets d'appartenance peut-être nationale à l'industrie nucléaire, qui est un grand sujet géopolitique dans lequel les nations se mènent une guerre assez directe ? Je pense qu'il y a deux éléments de réponse. D'abord, l'INSA Toulouse, comme d'autres écoles d'ingénieurs publics, nous sommes opérateurs de l'État. Et à partir de là, on se doit de répondre aussi aux grandes stratégies, aux grandes orientations, orientation France 2030, et faire connaître les grands enjeux du secteur nucléaire français, pour moi, finalement, c'est ma responsabilité. Et avec ça, on embarque bien évidemment la communauté étudiante. Ensuite, le diplômé, il ira là où il a envie d'aller. Voilà. Et c'est à nous, et c'est au secteur français d'être attractif, de donner envie. Alors, Sylvain Vidal, ça se passe à quel horizon tout ça ? Parce que, est-ce qu'il n'y aura pas un effet... donc là, on se félicitait finalement qu'il y ait une nouvelle impulsion de la politique nucléaire française, mais est-ce qu'il n'y aura pas un effet de creux entre le moment où ça a été décidé, où il y a quelques années, on parle de ça pour l'effet Blanquer sur les maths et les filles ? Non, je plaisante, mais où les jeunes filles, donc on risque d'avoir cet effet-là. Vous êtes d'accord, M. Raquet ? Est-ce que là, on va pas être un petit peu dans le dur pendant une certaine période ? Ce qu'on prévoit, non, je ne pense pas. Pourquoi ? Ce qu'on prévoit, le premier béton sur le PR2, ce qu'on prévoit, c'est 2027. À Peony en Normandie, je le citais, pour une mise en service en 2035. Ça veut dire que les études pour 2027, le permitting, toute cette partie-là, c'est engagé. Et vous citiez le cas du SMR de Newhart. Ce qu'on prévoit là aussi, c'est les premiers travaux en 2030. Donc, je veux dire, en particulier... Alors, pour des métiers plus techniques, opérationnels, on va être dans ces échéances que j'ai données. Par contre, sur les travaux d'études, d'ingénierie, on y est maintenant. Alors pour le SMR, oui. Non, je t'en prie. Le SMR, on peut pas. Enfin, vous n'avez pas de réponse spécifique à me donner, mais il serait possible peut-être qu'à terme, il y ait des retombées en Occitanie. Mais bon, je ne vous demande pas de me répondre, parce que j'imagine que c'est une décision très politique, parce que c'est intimement lié aux politiques, ça aussi. Ce qu'on pense, si vous voulez, c'est que la priorité en France, c'est plutôt de continuer. On a un réseau de transport d'énergie très structuré en France, donc on a plutôt intérêt à privilégier des grosses centrales qui viennent sur des sites existants. C'est ça l'optimum. Maintenant, on pense qu'il y a un marché sur l'SMR mondial qui est un potentiel énorme. On a les compétences technologiques dans la filière française pour proposer un produit à travers Newhart. EDF est chef de file, mais on n'est pas les seuls. Hein, on est avec un certain nombre de partenaires. Et donc là, on pense qu'en effet, ce sera pertinent si on veut que ça devienne un produit de vente à l'international, d'avoir un certain nombre de références en France. Bon, le choix, il sera politique, d'où c'est. Mais donc, on imagine qu'on aura un certain nombre de SMR en France.
Robin. Monsieur Vinel, parfois, est-ce que vous n'avez pas tout simplement la tentation d'aller chercher un peu à l'étranger des ingénieurs qui sont déjà prêts, clés en main, et vous vous dites, après tout, au lieu d'en former des Français, on va peut-être tout simplement aller en piquer aux États-Unis, en Corée du Sud, Chine. Ou en Chine? Alors non, on a clairement pas cette tentation. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie expertise dans la filière nucléaire, c'est-à-dire que les compétences d'ingénieur et de technique, on les a, mais on a plutôt un problème de volume. C'est ça la question. Ce n'est pas un problème d'expertise, c'est un problème de volume. Et que globalement, la relance du nucléaire dans le monde, ce sujet d'attirer des jeunes vers la filière, il est partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un potentiel énorme d'ingénieurs nucléaires chinois qui est à disposition et qui serait prêt à venir. On n'est pas dans cette situation-là. Donc là, on a plutôt, nous, intérêt à se mobiliser avec les écoles d'ingénieurs pour attirer, former et devenir une référence mondiale. Voilà, y a pas un potentiel dans lequel on pourra aller puiser facilement à l'étranger. Bon, il y aura des échanges, bien sûr, mais la solution, elle repose sur notre capacité de formation. Eh bien justement, on va prendre les questions pour aller plus loin du public. Première question à propos de recrutement. Ça gagne bien sa vie, un ingénieur dans le nucléaire, par rapport à un ingénieur dans l'IA ou dans la tech? Alors, non, enfin, ce qui est sûr, c'est que... Ah non, il ne faut pas dire non. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas forcément des références précises. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des acteurs qui sont dans le nucléaire gagnent bien leur vie. C'est un métier sur lequel il y a une très grande technicité, sur lequel aussi il y a des garanties d'évolution. Alors évidemment, dans une start-up sur l'IA, à un moment donné, on va peut-être trouver des ingénieurs qui ont des salaires mirobolants. Mais je veux dire, il y a peut-être le Mbappé de l'ingénieur de l'IA, mais ce qu'il faut quand même regarder, c'est la tendance et le trend pour tout le monde. Tant que ce n'est pas un joueur de Ligue 2. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué. Non plus, on joue. Pour une référence rugby, on joue à la Champions. Ça marche. Un truc qu'on n'a pas évoqué, justement, vous m'avez parlé que vous travaillez sur la rénovation de votre modèle social, de réactiver le vivier des futurs candidats en milieu ruraux et défavorisés. Ça, c'est intéressant, quoi. Ouais, vous m'avez dit le terme « on essaye de faire société ». Vraiment, votre rôle social est... Tout à fait. Mais ça, c'est un nouveau défi. Alors, plus globalement, ce qui est une forme de complexité aussi, c'est que finalement, ces dernières années, on avait à peu près l'équivalent de 30 000 étudiants en plus dans le supérieur liés au boom des années 2000. Sauf que maintenant, on va avoir un effet démographique qui va s'inverser et le passage par un maximum, il est derrière. Donc, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de métiers en tension, on a besoin de former plus, mais on va avoir un tassement sur le nombre de néo-bacheliers qui vont arriver dans le SUP. Donc ça, il y a un vrai enjeu. Donc on en est complètement conscient. Alors on n'a aucun souci d'attractivité. Mais pour autant, il me semble qu'on a vraiment une responsabilité nationale d'aller plus loin pour réactiver le vivier de candidats potentiels qui ont la fibre pour aller en sciences et technologies. Et puis surtout, de faire en sorte qu'on aille chercher les catégories socioprofessionnelles peut-être moins favorisées, ceux qui ne pensent pas forcément à avoir accès à l'enseignement supérieur de qualité, aux filières sélectives, et puis peut-être aller chercher aussi tous ces jeunes qui sont dans des lycées peut-être plus éloignés de grandes métropoles et pour lesquels il faut créer finalement les conditions, l'éclairage pour avoir envie d'aller dans nos formations d'ingénieurs. Et il y a vraiment un projet au niveau du groupe INSA qui est en train de se déployer au niveau de l'INSA Toulouse, qui s'appelle Horizon INSA. Et bien on a commencé, on va chercher des lycées où la vie était peut-être un petit peu plus compliquée. Et on détecte des lycéens et lycéennes qui ont la niaque, qui ont un potentiel académique non révélé parce que la structure n'est pas forcément aidante. Eh bien, nous, notre souhait, c'est de faire ce travail-là avec EDF, avec d'autres grands groupes, pour aller labourer les campagnes, donner envie, faire du renforcement scolaire. Et parce qu'au bout du bout, il faut que dans nos écoles d'ingénieurs, et il faut que chez EDF, on ait des collaborateurs, des salariés qui reflètent les composants de la tout simplement la distribution française. Une question plus technique, quels sont les développements en France sur les filières de reconversion des sous-produits de la fission? Bon, écoutez, ça va être un petit peu pointu pour moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on continue à travailler sur les sous-produits de la fission. Le travail qui est fait, pas uniquement avec EDF, mais aussi avec le CEA, c'est de dire comment on arrive à fermer le cycle et à réutiliser au maximum les sous-produits de manière à limiter au maximum les produits finaux en déchets. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui continue à être travaillé de manière à optimiser, je dirais, l'utilisation du combustible. Alors, on a une autre question. Bonjour à tous. On entend toujours parler du retard du parc nucléaire français, du parc vieillissant.
Est-ce que ça donne vraiment envie aux jeunes? Je vais compléter. Merci Mathilde. Je vais compléter d'ailleurs cette question pour vous, Monsieur Raquet. Est-ce que parfois vous n'avez pas peur de créer une nouvelle génération agro-paritech à l'image de ces grands diplômés d'agro-paritech qui, lors de la cérémonie de remise de diplôme, se sont un peu opposés à leur cursus d'études et se sont dit on va plutôt aller faire de la permaculture loin du sérail habituel? Je n'ai pas peur de la créer, cette génération, puisqu'elle est là. Voilà, elle est là et il faut l'accompagner et ça va durer. On est vraiment sur un véritable enjeu. Quand on parle de faire communauté, c'est vraiment à cet endroit. Ce qu'il faut proposer à cette génération, c'est simplement s'engager là où ça a du sens et là où il y a un véritable défi. Montrer aussi que par les sciences et les technologies, mais aussi en étant plus frugal, on va répondre, on va apporter des réponses. Mais moi, j'ai des étudiants qui sont passionnés sur ces sujets-là pour répondre. Le parc nucléaire, peut-être, est-il à un moment donné vieillissant? Mais justement, là, ça fait sens de s'engager. J'en ai même un qui est venu me voir dans mon bureau pour dire « je veux être un spécialiste du démantèlement des centrales nucléaires ». Bon, mais tant mieux. Et ce n'est pas du tout pourtant ce qu'on traite en interne dans notre établissement. Donc, on voit qu'il y a ce potentiel. Je pense que, comme souvent, il faut accompagner, mais ils feront des merveilles. Et je pense que ce secteur-là, il est complètement accessible. Bah écoutez, merci à tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci encore. On vous laisse rejoindre vos places. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir répondu aux questions du public. Je vous propose qu'on reste dans cette thématique de l'énergie, mais sous un autre angle, avec cette affirmation, au-delà de l'électrification des transports, place à la décarbonation des usages. C'est Stéphane Le Sénéchal, directeur territorial Haute-Garonne, chez Enedis, qui nous en parle. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon oreillette qui est en train de me dire « low battery, please charge ». Elle a besoin d'électricité, elle. Et elle a tenu 4 heures, ce qui est pas mal quand même. Électricité décarbonée en plus, sans doute, j'imagine, très probablement. Merci d'être avec nous, Stéphane. Alors, on va consommer de plus en plus d'électricité. Avec les usages, on a basculé vers ça. On parle on passe de quoi à quoi et comment on fait pour finalement assurer ça, parce qu'on est obligé que ça tienne, et pour monter en puissance. Bonjour Boris et Romain. Oui, effectivement, peut-être pour se remémorer un peu, se remettre en tête quelques chiffres. Les objectifs de la PPE, donc on va dire les objectifs nationaux énergétiques, c'est de réduire de 40% les émissions carbone en 2050, et en même temps de réduire de 50% la consommation d'énergie totale, consommation finale d'énergie. Mais c'est vrai qu'en même temps qu'on va baisser la consommation totale d'énergie, d'origine pétrolière, gazière, électrique, etc., la consommation d'électricité dans la même période va passer de 25% à 55% du total. Alors, c'est vrai que du coup, il nous faut plus d'énergie électrique demain. On a bien compris, et c'était l'objet notamment de la table ronde précédente, que la première jambe, c'est la jambe nucléaire, c'est construire des EPR, des SMR, bref, des réacteurs nucléaires qui vont permettre de produire plus en France. Mais on a une deuxième jambe, qui est importante aussi, qui est de favoriser l'évolution des énergies renouvelables et le raccordement des énergies renouvelables en France. Alors moi, on parle de combien d'euros là, à mettre sur le réseau d'ici 2040? Alors, investissement. Beaucoup d'investissements. On avait l'habitude d'investir un peu plus de 3 milliards par an si on se met 10 ans en arrière. On dépasse 4,4 milliards cette année certainement à la fin d'année. Et on aura un pic de 5 milliards, un peu plus de 5 milliards en 2027. Globalement, sur les 15 ans qui viennent, c'est 100 milliards d'euros qu'il faut investir sur le réseau pour passer le cap. Puisque vous le savez, moi je suis directeur territorial à Enedis. Et du coup, mon enjeu, c'est de faire que, notamment dans notre région, en Occitanie, et plus particulièrement pour moi en Haute-Garonne, le réseau suive pour accueillir ces énergies renouvelables, où on va quasiment doubler. On a 37 gigawatts. À chaque fois que je vous vois, Stéphane, je vous dis, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Je crois que vous dites, oui, ça va tenir, mais on va moduler les usages, on va flexibiliser, on va... Oui, c'est ça. Alors d'abord, on va quasiment doubler. On va passer le volume de production d'énergie renouvelable raccordée sur le réseau. C'est historique. On parle de la deuxième électrification du pays. On a d'abord apporté l'électricité partout. Et puis aujourd'hui, on raccorde énormément de production
décentralisé. Le modèle n'est plus des grosses centrales uniquement, mais beaucoup de production décentralisée. En France, aujourd'hui, on a 700 000 producteurs, hein, dont beaucoup de producteurs individuels. Et on peut dire qu'en Haute-Garonne, d'ailleurs, on est le premier département de France en autoconsommation individuelle, où on a 68 mégawatts. Hein, c'est le plus gros département de France. Donc, le client particulier qui autoconsomme. Parce que dans l'équation, évidemment, on raccorde des énergies renouvelables, donc des centrales photovoltaïques, des éoliennes, pour qui nous concerne principalement, au réseau électrique de distribution. Et puis, on a aussi beaucoup de clients qui autoconsomment à partir d'une production photovoltaïque, en général, des panneaux. Et c'est là où le département a le record national. Romain. Est-ce que cette autoconsommation, Stéphane, elle est prête pour le grand virage du véhicule électrique qu'on va peut-être aborder avec douceur ou peut-être se prendre un mur en pleine face? On ne sait pas trop à quelle saison on va être mangé quand on voit, par exemple, l'interdiction de vendre des véhicules thermiques à l'horizon 2035 et qu'aujourd'hui, 1,2 million de gens ont un véhicule électrique, mais qu'on peut donc se projeter sur une vingtaine d'années où on sera à 20, 25 millions de véhicules. Est-ce qu'on est prêt pour ça et est-ce que l'autoproduction va suffire? Alors, quand on parlait de l'évolution des besoins en énergie électrique, hein, le passage à 600 TWh alors qu'on est à plus de 400, un peu plus de 400 aujourd'hui, évidemment, on prend en compte le besoin pour les véhicules électriques. L'autoconsommation individuelle est un vrai sujet pour ça. C'est-à-dire que la capacité pour le client à utiliser l'énergie pour son foyer, c'est bien sûr pour son utilisation classique, mais aussi pour recharger son véhicule électrique. De là, on peut dire aussi que le modèle de demain, c'est recharger son véhicule électrique à certains moments, notamment quand on produit avec le soleil, et c'est aussi à certains autres moments de la journée, restituer l'énergie de la voiture, et ça, on est en train de le tester, hein, un gros projet national qui est le projet à venir, qui permet de tester l'inverse, c'est-à-dire que la batterie soit capable de restituer les kilowattheures, dans un premier temps au foyer, pourquoi pas aussi, c'est un autre modèle, au réseau électrique, au moment où on a besoin. Pourquoi pas au réseau? Parce qu'on imagine aussi peut-être des épisodes climatiques assez extrêmes dans les décennies à venir, dans lesquels vraiment la tension sera telle qu'on pourra dire aux gens, il est temps peut-être de brancher sa voiture au réseau pour restituer de la puissance électrique pour la climatisation dans un cas ou pour le chauffage dans un autre cas. Oui, bien sûr. Nous, on regarde avec gourmandise les 27 millions électriques de véhicules électriques dont vous parliez, Romain, tout à l'heure. Vous dites on ne va pas chômer, 27 millions, on se frotte les mains. Mais. Oui, parce que c'est 27 millions de batteries sur roues. Et que quelque part, c'est pour nous un enjeu de flexibilité. C'est pour ça qu'on est en train de tester ça. D'ailleurs, à Toulouse, ici, sur notre site de Basso Cambo, on a 4 véhicules qui sont en train de tester ce dispositif. Alors pour l'instant, nos 4 véhicules, ils renvoient des kilowattheures vers notre bâtiment Enedis, puisqu'il n'y a pas encore le modèle pour le renvoyer vers le réseau. Mais il faut tester ça. Aujourd'hui, techniquement, ça marche. Après, il faudra aussi le modèle économique. Il y a beaucoup de choses à inventer, puisque si le client renvoie des kilowattheures vers le réseau, c'est quand même des kilowattheures qu'il a payé à un moment. Donc, il faudra un modèle qui va bien. Tout à fait. Il va falloir le monétiser, le remercier d'une manière ou d'une autre. Ouais. Alors, bon, on ne peut quand même pas monter en puissance en même temps que la courbe, que le besoin. Donc ça fait partie de la flexibilité, vous l'avez dit. Ça fait partie de ce qu'on appelle aussi le raccordement intelligent. Où il y a d'autres solutions? On vous a expérimenté des choses avec Linky, on parle d'effacement. Oui, alors là, on aborde un autre sujet. J'aimerais d'abord passer par la sobriété, parce que finalement, on dit qu'il faut produire plus, mais il faut aussi faire des efforts pour consommer moins. Alors, comme les besoins en électricité sont de plus en plus importants, les efforts de sobriété sont gommés par l'électrification des usages qui font qu'on a besoin de beaucoup d'électricité. Mais quand même, si on regarde, notamment en Haute-Garonne, entre 2022 et 2021, les efforts de sobriété en Haute-Garonne, c'est en gros un peu moins de 10%. Donc, on a consommé moins en 2022 qu'en 2021. Ça, c'est plutôt bien. Et ça marche pour les particuliers qui ont fait des efforts. Alors, c'est vrai qu'on avait, l'année dernière, communiqué un peu sur le risque de coupure exceptionnelle liée à la tension du réseau. Ça a eu cette pédagogie de montrer que
bah, tout n'était pas automatique et qu'il fallait quand même faire attention, qu'il pouvait y avoir des tensions. Et du coup, je pense que l'effet prix plus la communication sur ce sujet-là a fait qu'il y a eu... C'est ce que j'allais vous dire, Stéphane, c'est mon côté cynique sans doute qui parle. Je pense que l'effet prix peut-être a tendance à inciter les gens à réduire un petit peu la voilure. Bien sûr. Mais les particuliers ont consommé moins en Haute-Garonne. Les professionnels ont consommé moins. Vous savez qu'il y avait aussi de la réglementation hein, sur les enseignes, etc., qui devaient s'éteindre. Et puis, il faut signaler aussi, je pense que les Français le voient, et les Haut-Garonnais particulièrement, les collectivités locales ont fait beaucoup d'efforts. On peut parler de l'éclairage public, où les 5 dernières années, sur ce département, c'est 13% de consommation en moins sur l'éclairage public. Il y a eu beaucoup d'extinctions de nuit. Et d'ailleurs, nous, on a participé activement. J'essaie de retomber sur mes jambes par rapport à votre question, Boris, sur Linky. Linky. On a utilisé Linky pour automatiser l'extinction de l'éclairage public la nuit. C'est une solution qu'on a proposée aux collectivités, parmi d'autres, qui est une solution qui est automatique, qui fonctionne bien et qui est pas chère. Et beaucoup de collectivités ont utilisé ce dispositif. Linky permet aussi cette sobriété, puisque l'ADEME avait rendu une étude très intéressante sur le fait que quand on commence à suivre ses consommations, et Linky permet de le faire, il permet de le faire à la journée, à l'heure, même à la demi-heure, bah ça fait réduire ses consommations en moyenne d'un petit 10%. Allez, il nous reste 29 secondes pour que vous nous donniez votre vision pour 2050. On va y arriver, bah, on ne va pas faire exploser le réseau. Vous me connaissez, moi je suis un optimiste, donc optimiste pas que comme ça de base, mais parce que je vois le travail qu'on réalise sur l'adaptation du réseau, sur les investissements qu'on va faire, sur toute la préparation de la filière aussi, parce qu'il ne me reste que 7 secondes, mais on a besoin. À Enedis, j'entendais les 100 000 sur la partie nucléaire. Il faut aussi 150 000 sur la rénovation énergétique, il faut 100 000 sur la filière réseau et 3 000 dans les prochaines années à Enedis, puisque nous aussi, on a besoin de recruter sur des métiers qui sont très intéressants et liés à la transition énergétique. Le message est passé. Merci, on vous applaudit, Stéphane Le Sénéchal. Merci beaucoup. Et notre dernière séquence de la journée se veut évidemment poil à gratter dans quelques instants. Non, faire des enfants n'est pas mauvais pour la planète. On en parle tout de suite.